Alors maintenant, on va aborder le troisième dossier de ces conférences de gynécologie adressées au DCEM2. Donc, c'est un dossier que j'avais intitulé Une femme se présente aux urgences à 30 semaines d'aménorrhée pour des contractions utérines. Donc, je pense que vous avez tout de suite vu, situé de quoi il s'agissait. Alors, l'énoncé, c'est une patiente de 26 ans qui vient aller à 30 semaines d'aménorrhée parce qu'elle a des contractions utérines qui évoluent depuis quelques heures. Alors, je vous ai déjà dit qu'elle avait déjà accouché par voie basse il y a quelques années, qu'elle n'avait aucun antécédent en particulier. Voilà, on va rester simple. Je vous ai écrit toutes les bilans biologiques que vous avez récupérés, et je vous dis aussi que les échographies qu'elle a faites à 12 et 22 semaines sont sans particularité. Alors, vous suspectez bien sûr une menace d'accouchement prématuré. Alors, ma première question, c'est simple, c'est bah, qu'est-ce que c'est une menace d'accouchement prématuré? Alors, la menace d'accouchement prématuré, ce qu'il fallait mettre, c'est que c'est l'association, là c'est très important, de contractions utérines plus de modifications cervicales avant le terme, ça veut dire avant 37 semaines d'aménorrhée. C'est important, une patiente qui vient, elle dit qu'elle a des contractions, mais il n'y a aucune modification cervicale, ça veut dire qu'il n'est pas en train de se raccourcir le col, ni en train de s'ouvrir, d'ouvrir pour laisser passer le bébé, ce n'est pas une menace d'accouchement prématuré. D'accord? Très important. Question 2. Donc là, je vous dis, la patiente vient, elle dit, voilà, je contracte. Qu'est-ce que vous recherchez à l'interrogatoire? J'insiste, interrogatoire, c'est pas l'examen physique, pour essayer d'évaluer la situation obstétricale, la situation de la patiente. Alors, dans ce genre de questions, en obstétrique, il faut toujours raisonner par 1, la maman, 2, le fœtus, 3, la situation obstétricale. Alors, du point de vue maternel. D'accord? Premier point abordé sur les trois. Du point de vue maternel, on va lui demander, est-ce qu'il n'y aurait pas des raisons qui pourraient expliquer pourquoi est-ce qu'elle a ces contractions? Donc on va lui demander, est-ce qu'il n'y a pas des signes infectieux? Alors madame, est-ce que vous n'avez pas eu de la fièvre? Est-ce que vous n'avez pas des signes fonctionnels urinaires? Est-ce que vous n'avez pas des douleurs lombaires? Est-ce que... Alors voilà, donc ça c'est l'infection. Et autre question bien sûr. Il faut aussi demander, est-ce qu'elle n'aurait pas eu un traumatisme? Alors par exemple, est-ce que vous n'êtes pas tombé? Est-ce qu'on ne vous a pas poussé? Est-ce qu'on ne vous a pas tapé sur le ventre pour expliquer ça? Et puis, toute contraction utérine chez une patiente enceinte, on pense toujours au risque de préeclampsie, d'HRP, etc. Et donc, on va lui demander si jamais elle n'a pas des signes fonctionnels d'hypertension artérielle, à type de phosphène, d'acouphène, de céphalée, ce genre de choses. Du point de vue fœtal, bah, votre intérêt, c'est de savoir est-ce que le bébé va bien? Donc, vous lui demandez, madame, est-ce que vous sentez bien bouger votre bébé? Et donc là, elle vous dira, ah bah oui, je le sens, il n'arrête pas de bouger. Dans ce cas-là, vous êtes rassurée. Ou, ah non, non, depuis quelques heures, je ne le sens plus du tout bouger, alors que d'habitude, il ne s'arrête pas de bouger. Là, vous êtes peut-être un petit peu inquiet. Juste un interrogatoire, déjà, vous pouvez vous orienter. Et après, du point de vue obstétrical proprement parlé, eh bien, vous allez lui demander de préciser un petit peu ses contractions utérines. Donc, est-ce que ces contractions, est-ce qu'elles sont douloureuses? Est-ce qu'elles sont rapprochées? Est-ce qu'elles sont régulières? Donc, ça, c'est important à savoir. Vous allez lui demander si jamais il y a eu des signes associés, est-ce qu'elle n'aurait pas perdu l'apogée des os? Donc vous lui demandez est-ce que madame vous avez perdu du liquide, un petit peu clair comme ça, ou est-ce que vous n'avez pas saigné? Donc ça peut être important, et tout ça vous oriente. Et puis après, vous évaluez bien sûr dans ces pertes de liquide, est-ce que c'était très abondant ou est-ce quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça c'est juste l'interrogatoire. Et par cet interrogatoire, vous arrivez, vous voyez, à vous orienter tout de suite assez rapidement. Maintenant, question 3. Je vous disais, la patiente, bah non, voilà, elle n'a aucun signe fonctionnel que les contractions utérines, donc c'est-à-dire qu'elle ne saigne pas, elle sent bien bouger son bébé, tout va bien. Et là, l'infirmière des urgences vous apporte les constantes. Et elle vous dit, voilà, la patiente, elle est pyrétique, donc elle a 36,9, c'est ce que je vous ai marqué, elle a une bonne tension, 12,6, elle a un pouls qui est régulier à 65 battements par minute. Et je vous demandais, qu'est-ce qui vous manquait comme données ultra importantes? Alors, aux urgences gynécologiques, vous verrez, si jamais vous n'avez pas pu répondre à la question, ce qui est primordial et ce qu'on fait systématiquement à tout patient qui vient soit pour des douleurs pelviennes, soit pour des contractions, c'est la bandelette urinaire. La bandelette urinaire, c'est primordial parce que vous devez absolument traquer l'infection urinaire. D'accord? Quand elles ont pas de fièvre, c'est souvent la cystite, et une simple cystite peut donner des douleurs pelviennes et des contractions chez une femme enceinte. Donc vous allez demander la bandelette urinaire avec la recherche de leucocyturie et de nitriturie. D'accord? En plus, vous pourrez voir comme ça si jamais il n'y a pas non plus une protéinurie. Et dans la protéinurie, comme ça, c'est toujours important à savoir, à mettre dans un coin de votre tête. La protéinurie, n'oubliez pas, ça fait partie de la définition de la prééclampsie. Et donc, si jamais vous avez une patiente qui a une protéinurie, vous devez recontrôler après la pression artérielle. Bon, question 4. Je dis que vous examinez la patiente.
Voilà, elle vous dit qu'elle contracte, tout le reste c'est normal, et vous ressentez en effet des contractions utérines qui sont rapprochées toutes les 5 minutes, avec un utérus qui se relâche bien, sinon entre les contractions. Vous examinez la patiente et vous voyez que le col, je vous ai marqué qu'il est court, centré, ramolli et fermé, et que le fœtus est en présentation céphalique. Vous sentez bien la présentation du bébé. Je vous demandais, alors maintenant, interprétons l'examen d'imagerie suivant. Donc, vous l'avez logiquement en accès sur votre écran d'ordinateur. Je vous le remets ici pour l'interpréter. Donc, quel est cet examen d'imagerie? Si jamais vous ne l'avez jamais vu, c'est une échographie par voie endovaginale du col utérin. Vous voyez ici sur l'image que ce qu'il y a ici, ça c'est ma sonde endovaginale qui est dans le vagin. Et on voit le col de l'utérus qui est à ce niveau-là, avec la présentation du fœtus ici. Et ce qui est noir, hypoécogène, c'est le liquide amniotique. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'en fait, il est complètement ouvert le col de l'utérus, avec une toute petite mesure, qui est la mesure numéro 1 que j'ai marquée, qui montre la longueur cervicale efficace, ça veut dire là où le col est encore fermé. Et vous voyez que 1, en fait, c'était 5,9 mm, 6 mm, donc ce qui est extrêmement raccourci, puisque un col normal doit être long, hein, la zone longue doit être mesurée à au moins 25 mm pour être rassuré. Donc là, on est à 5,9 mm, donc ce qui est très très raccourci. Et vous voyez aussi que toute cette zone-là est ouverte, et on voit en fait que l'orifice interne du col en forme d'entonnoir montre qu'il y a vraiment une protrusion de la poche des os à ce niveau-là, au niveau du col, et donc tout ça sont des signes de gravité. Pour la question suivante, il y avait une autre iconographie. Donc l'autre iconographie, c'était celle-ci, je la mets ici. Et donc, qu'est-ce que c'était? Il s'agit d'une électrocardiotocographie où il y a deux choses à analyser. Au-dessus, c'est le rythme cardiaque fœtal, et en dessous, c'est la tocographie, ça veut dire qu'on voit les contractions utérines de la mère. Donc, vous voyez ici que la patiente a des contractions utérines, sachant qu'un gros carré vert, c'est une minute. Donc là, vous voyez une contraction utérine, puis un carré, deux carrés, trois carrés, quatre carrés, cinq carrés, six carrés plus tard, donc 6 minutes plus tard, vous avez une nouvelle contraction utérine. 3 minutes plus tard, vous en avez une autre plus petite. Et encore 1, 2, 3, 4, 5 plus tard, il y en a une autre. Donc ce qui vous fait sur à peu près 15 à 20 minutes, 3 à 4 contractions que la patiente ressent et que vous aviez ressenti tout à l'heure à l'examen de l'utérus. Et sur le cliché précédent, il y a des modifications cervicales puisque le col fait une longueur efficace de moins de 25 mm. Donc c'est donc qu'on est ici dans le contexte d'une menace d'accouchement prématuré. Ce qui est important d'analyser, c'est le rythme cardiaque fœtal, et vous voyez ici qu'il est normal. Donc, quelqu'un me demandait quelles étaient les caractéristiques d'un rythme cardiaque fœtal normal, bah, c'est ça, en fait, hein, pouvez-vous le mettre en image. Il faut que le rythme de base, ça veut dire que le tracé qui passe à peu près par toutes les oscillations, comme ça, soit entre 110 et 160 battements par minute, c'est la zone qui est en bleu, en fait, ça c'est la normalité. Donc on voit qu'ici, c'est à 130 battements par minute, donc c'est tout à fait normal. Il faut qu'il y ait des oscillations, c'est-à-dire qu'en permanence, le tracé soit en train d'osciller comme ça. Donc ça, c'est une bonne viabilité. Et il faut qu'il y ait des accélérations qui fassent plus de 15 battements par minute sur au moins 15-30 secondes. Et ça, on appelle ça la réactivité. Donc ce rythme cardiaque fœtal est normal. On a un rythme de base entre 110 et 160 avec des bonnes oscillations, une bonne réactivité. Et vous voyez qu'il n'y a pas de décélération. Une décélération, c'est quand le rythme du bébé va descendre de plus de 15 battements par minute sur au moins 30 secondes, ou 15 à 30 secondes, et donc là, il n'y en a pas. Là, vous voyez qu'il y a un petit décrochement ici, mais ça dure moins de 15 secondes. Hein. Je vous ai dit qu'une minute, c'était un grand carré. Donc là, c'est vraiment minime la descente, c'est plutôt un spike, et ça n'a aucune conséquence particulière. Voilà. Donc, je reviens donc au reste du sujet. Et la question suivante après ces deux iconographies, c'était, vous pratiquez une échographie obstétricale, donc ça veut dire une échographie du fœtus, qu'est-ce que vous recherchez? Alors, on est dans un contexte de menace d'accouchement prématuré, à membrane intacte, d'accord, parce qu'elle n'a pas rompu l'approche des os. C'est une patiente qui a 30 semaines d'aménorrhée. Donc vous allez rechercher la position du bébé, donc vous faites l'échographie, vous regardez si jamais la tête elle est en bas, dans ce cas-là c'est une présentation céphalique, ou alors sur le côté c'est une position transverse, ou alors en haut c'est une position du siège. Ça c'est important parce que si jamais elle accouche, c'est important que vous vous prépariez à savoir comment le bébé va sentir. Ça dépend si jamais il y aura des manœuvres à faire. Après, le bébé risque d'accoucher
enfin, la patiente risque d'accoucher prématurément. Et donc, c'est très important, comme vous êtes à 30 semaines, de savoir quelle est l'estimation pondérale du fœtus, parce que c'est très important pour le pédiatre. Vous allez devoir le prévenir qu'il y a une patiente qui vient à 30 semaines aménorrhée pour un fœtus qui est à peu près à tel poids, et lui, sa prise en charge en dépendra. Et donc, vous allez mesurer la tête du bébé, le ventre du bébé, le fémur du bébé, et avec ces mesures, l'ordinateur va vous calculer une estimation pondérale. Vous allez aussi regarder quelle est la localisation du placenta pour être bien sûr que le placenta n'est pas bas inséré, qu'il n'y a pas des risques de saignement. Et vous allez apprécier la quantité de liquide amniotique pour être vraiment sûr que la patiente n'a pas rompu. Si jamais la patiente, vous voyez que soit elle vous dit qu'elle a rompu, soit qu'il y a moins de liquide à l'échographie et qu'elle contracte, vous ferez un petit prélèvement au niveau du vagin. Je ne rentre pas dans les détails pour savoir si jamais il n'y a pas des traces de liquide amniotique dans le vagin. Le contexte sera totalement différent. Question suivante. Donc je vous dis, vous concluez à une menace d'accouchement prématuré sévère, à membrane intacte, à 30 semaines d'aménorrhée, avec des contractions utérines que la patiente ressent et que vous voyez à la tomographie, et un col qui est modifié cliniquement, hein, il s'est raccourci, il est mou, et à l'échographie endovaginale, vous avez vu qu'il faisait moins de 25 mm de longueur. Et donc je vous demandais quelle était la prescription d'examen, quelle est votre prescription d'examen complémentaire. Donc, il y a un bilan biologique à faire. Le bilan biologique, il va servir à voir si jamais il n'y a pas des complications dans ce contexte, ou si jamais il n'y a pas une infection qui pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'elle a une menace d'accouchement prématuré. Donc, vous faites, du point de vue infectieux, une numération formule sanguine, une CRP, un prélèvement vaginal et un même examen cytobactériologique des urines, un ECBU. Ça, c'est à titre systématique devant une menace d'accouchement prématuré. Vous ferez aussi un bilan d'anesthésie, qui sera très important à faire si jamais la patiente venait accoucher prématurément pour faire une péridurale ou si jamais une complication pour la césarienne, et donc vous demandez un groupe Rhesus RAI où vous assurez bien d'avoir les deux déterminations de groupe, un TPTCA, le bilan d'hémostase, et la NFS qui a d'ailleurs déjà été demandée tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est le bilan biologique à demander. On me demandait si jamais il fallait faire un bilan pré-tocolyse. Alors ça dépend quelle tocolyse vous utilisez. Généralement, c'est, vous allez voir dans la question suivante, hein, je vais le dire, mais si jamais vous utilisez des inhibiteurs calciques, il n'y a pas de bilan particulier à demander. En revanche, si jamais vous utilisez des bêta-mimétiques, il faut généralement demander un iono et faire un ECG pour savoir si jamais il n'y a pas des contre-indications à utiliser salbumol. Mais ça, c'est un détail, généralement, il n'y a pas systématique à faire parce qu'on utilise des inhibiteurs calciques. Donc, question suivante. Je vous demandais le bilan biologique. Je vous disais que le bilan biologique est sans particularité. Et je vous disais, ben voilà, alors qu'est-ce qu'on fait pour cette patiente? D'accord? Donc, on se remet dans le contexte. C'est une patiente, elle vient aux urgences obstétricales à 30 semaines d'aménorrhée parce qu'elle contracte. Et vous faites le diagnostic de menace d'accouchement prématuré à membrane intacte. Vous n'avez pas d'étiologie particulière parce qu'elle a des contractions et le col est en train de se modifier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à mettre, je vous rappelle, hein, pour l'internat, l'hospitalisation. L'hospitalisation. Je ne vous ai pas précisé dans quel type de niveau de maternité vous étiez. Si jamais la patiente accouche là, il faudra que ce soit un niveau 3 qui la prenne en charge. Donc il faudra penser à la transférer dans un niveau 3 si elle n'y est pas, mais uniquement si jamais elle est stable. Il n'est pas question d'envoyer la patiente dans une ambulance, dans une maternité de niveau 3, pour qu'elle accouche en ambulance. D'accord ? Donc d'abord, il faudra la stabiliser. Donc c'est hospitalisation, maternité de niveau 3, on verra après. La première chose, c'est voie veineuse périphérique. Très important. Tocolyse. Alors la tocolyse, c'est bloquer les contractions utérines. Les médicaments les plus utilisés en première intention en France actuellement, c'est les inhibiteurs calciques et les bêta-mimétiques. Si jamais la tocolyse par ces deux premiers médicaments ne marche pas, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le tractocyl, qui est un médicament beaucoup plus efficace, mais qui vient en seconde intention. Vous ne mettrez jamais du tractocyl en première intention. L'autre mot-clé à avoir, c'était la corticothérapie par bêta-métasone pour la maturation pulmonaire. Je vous dis juste, c'est 12 mg, une piqûre que vous faites au moment où vous la voyez et que vous ferez 24 heures plus tard. Je vous ai dit, une piqûre de bêta-métasone maintenant, une autre 24 heures plus tard, et ça, l'autre agira aussi pendant 24 heures. Et donc c'est pour ça en fait que vous avez surtout la tocolyse. La tocolyse est là pendant 48 heures pour permettre justement à cette maturation pulmonaire par corticoïde de faire effet. Vous mettez la patiente dans un lit, en grossesse pathologique, et vous la mettez donc en repos non strict. Ça veut dire que si jamais la patiente veut se lever pour aller aux toilettes, pour prendre sa douche, elle peut, devant une menace d'accouchement prématuré. Vous ne mettez pas d'antibiothérapie systématique, d'accord, si jamais il n'y a pas de point d'appel infectieux.
N'oubliez pas, et ça c'est très important, de prévenir le pédiatre, voilà, qu'il y a une patiente qui a 30 semaines d'aménorrhée, qui a une menace d'accouchement prématuré très sévère, que vous êtes en train de contrôler les contractions par tocolyse pour essayer que ça s'arrête, que vous lui avez fait la corticothérapie, et vous lui dites voilà, le bébé il pèse tel poids, et comme ça le pédiatre informé il peut se préparer à recevoir le bébé si jamais il naissait maintenant. Et généralement on propose à la patiente de rencontrer le pédiatre, puisque c'est le pédiatre qui va lui expliquer voilà, si votre bébé est né prématurément, il a le tel terme, les complications seront celle-ci, 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 et il sera pris en charge en unité de néonatologie. Ça permet comme ça que la patiente soit un petit peu préparée à l'accouchement prématuré éventuel de son enfant. Et puis bien sûr, en fait, une surveillance materno-fœtale régulière de la patiente, où vous surveillez régulièrement. La fréquence dépendra en fait d'un petit peu l'évolution. Vous verrez si jamais elle contracte, vous verrez si le cœur du bébé va toujours bien, vous referez des prises de sang régulières à la recherche d'une infection. Voilà. La dernière question, c'était je vous disais que la patiente accouche 48 heures par voie basse, 48 heures plus tard par voie basse d'un enfant qui est bien portant, qui est pris en charge donc par les pédiatres qui étaient informés, qu'elle avait déjà rencontré. Et qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire, qu'est-ce qu'il ne faudra pas oublier de faire avant que la patiente sorte de la maternité? Donc ça, il fallait revenir au début de l'énoncé et voir qu'elle n'était pas immunisée contre la rubéole. Et donc, il faut proposer systématiquement à la patiente une vaccination contre la rubéole avant sa sortie de maternité. Voilà. Donc ça, c'était la fin du troisième dossier.